File-moi ta carte bleue, vite! Attends. Pourquoi faire? J'ai trouvé le bon filon. On va être riche. Je dois acheter du bitcoin. Le bitcoin, on va utiliser que ça plus tard. Tu connais la blockchain? Parce que la blockchain, c'est révolutionnaire. La blockchain? Une révolution? Bah bien sûr que oui, c'est révolutionnaire. Tout le monde en parle. C'est là que tu vas faire ton relou et que tu vas nous dire que non, ce n'est pas révolutionnaire. Bon, reprenons les bases. Le Bitcoin s'appuie sur la blockchain. Oui, non, mais on sait ça. Tu as 10 ans de retard, mon grand. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie technique. La blockchain, comment fonctionne-t-elle? Tu mets un bloc, un autre bloc, tu chaînes et tu enchaînes. C'est ça. T'as compris, c'est exactement ça la blockchain. Non mais moi j'ai dit ça, mais j'ai rien compris en fait. Ok, donc le Bitcoin est une monnaie virtuelle. Et comme n'importe quelle monnaie, elle est basée sur la confiance. On s'en fiche de l'euro, le dollar ou le Bitcoin. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous d'accord pour dire que cet élément-là a une certaine valeur marchande. Parce qu'on peut très bien faire une monnaie avec des coquillages ou des capsules de bière. Ah bah à coup de 33 exports, la bière de chantier, je vais être riche, moi je te le dis hein. Pour que cette monnaie fonctionne, il faut qu'elle soit sécurisée et facilement échangeable. Donc Satoshi Nakamoto, qui au passage est sûrement plus un groupe de personnes qu'une seule personne, a basé son idée de Bitcoin sur la blockchain. L'idée est d'écrire toutes les transactions sur un registre qui fait foi. Donc si toi, Gont, tu veux dans ta magnificence, gentillesse, me donner un Bitcoin... Non, mais t'essaies de me la faire à l'envers là, c'est toi qui dois me donner la CB. Ah parce que moi je te donne pas 30 000 euros comme ça, hein. C'est mort. Hein. Oui, bon, imaginons. À ce moment-là, on va écrire Gont donne un bitcoin à Tong. On va de ce fait empiler tous les échanges de bitcoin dans ce fichier. Flantier qui donne 2 bitcoins à Otis, etc., etc. Au bout de 10 minutes, on va fermer le bloc et en réouvrir un autre. Voilà, c'est fait, le premier bloc est validé et traité. On ne pourra pas rajouter une transaction dedans. Alors, un bloc c'est du texte qui décrit une suite de transactions. Et c'est quoi le chain dans blockchain? Le but, c'est de sécuriser cette blockchain, parce que tout est dématérialisé et accessible par tout le monde. Bien sûr, tout est chiffré de manière asymétrique. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire, je ferai une vidéo sur les différents types de chiffrement. Hein? Non. Mais à qui tu parles, là? T'occupes. Donc vu que c'est accessible par tout le monde, qu'est-ce qui t'empêcherait de rajouter un bloc ou d'en falsifier un? Eh ouais, c'est clair. Pas folle, la guêpe? La chouette? L'arbitre? On choque l'arbitre. Oula, tourette te guette, mon petit. Hein. Donc pour gérer ce problème, on calcule ce qu'on appelle un hash. Un hash, c'est une chaîne de caractères d'une longueur fixe. On utilise pour ça une fonction de hachage. C'est une analogie au hachoir de la cuisine. C'est une formule mathématique qui a des particularités bien spécifiques. On passe en entrée de cette fonction mathématique tout le texte qu'on souhaite. Puis ça calcule une empreinte numérique. Pour information, ça ressemble à un truc comme ça. La chaîne de caractères d'Uno donne ce charabia. Le but de cette fonction, c'est que si on insère en entrée toujours le même texte, tu auras toujours la même empreinte numérique, c'est-à-dire le même hash, tant que tu utilises la même fonction de hachage, évidemment. Il en existe plein. Par contre, si tu changes juste une lettre dans ton texte, tu obtiens une empreinte complètement différente. Donc si on écrit Do Not, on aura quelque chose qui n'a rien à voir, mais de taille égale. Il n'y a aucune logique entre deux hash. Et la fonction de hachage, ce sont des problèmes mathématiques tellement complexes qu'il est impossible de savoir, depuis un hash, le texte qui a été passé en entrée. C'est d'ailleurs comme ça que sont stockés les mots de passe. Quand tu rentres ton mot de passe sur ton site préféré, on le hash et on compare avec le hash qui est enregistré en base de données. Comme ça, si un méchant hacker récupère la base de données ou s'il intercepte la communication, ben, il a juste des hashes entre les mains et pas ton vrai mot de passe. Voilà, c'est ça un hash. Et on va l'utiliser pour nommer chaque bloc. Et pour pouvoir réaliser cette chaîne de blocs, on stocke dans chaque bloc le hash du bloc d'avant. Comme ça, en partant du bloc en cours, on peut remonter la chaîne jusqu'au dernier. Ah, mais c'est un bon petit filou, Satoshi Nakamoto. Tu vois, la blockchain, c'est révolutionnaire. Alors résumons. Un bloc contient le hash du bloc d'avant, les transactions effectuées. Un once, c'est une chaîne de caractères aléatoires, on va y revenir très vite. Et l'identifiant du bloc, donc son nom, qui est un hash de tout ça. Alors, de la donnée, un hash qui nomme le bloc et le hash du bloc d'avant, ben les connaisseurs auront reconnu, ça s'appelle Git. Sauf que les blocs s'appellent des commits, et la chaîne de commits s'appelle un arbre. Mais sinon, le fonctionnement est similaire. C'est quoi Git?
Et c'est qui a fait First? Git est un logiciel de versionning énormément utilisé par les développeurs. On en a déjà parlé juste ici, on fera une vidéo plus en détail si tu veux. Git est arrivé en 2005 et le Bitcoin en 2009. C'est Linus Torvald qui l'a inventé. Linus Torvald. Encore un nom à coucher sous un abribus. Oh, deux secondes là. Un peu de respect, jeune homme. Linus Torvald, au-delà d'avoir créé ce logiciel complètement génial qu'est Git, il a aussi inventé Linux, sans lequel ton smartphone ne tournerait pas aujourd'hui. C'est un génie du code qui offre une grande partie de son temps gratuitement pour développer sur des projets libres de droit. On appelle ça l'open source. Ah d'accord. Ah, autant pour moi. Alea jacta est, monsieur Torvald. Ça veut dire je suis désolé. Monsieur Torvald. Mais pas du tout. Aléa jacta est, ça veut dire les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Monsieur Torvald. C'est pas grave, reprenons. Le souci sur notre blockchain, c'est que qui doit s'occuper de faire les hashes pour les noms des blocs? Il n'y a pas de banque pour s'en occuper. Oui, c'est ça, c'est décentralisé. C'est pour ça que c'est révolutionnaire. Exactement, c'est décentralisé. Pour assurer la survie de la blockchain, Bitcoin rémunère des personnes qu'on appelle des mineurs, qui vont acheter plein de cartes graphiques pour avoir une puissance de calcul et essayer de miner un hash un peu spécial. Spécial. C'est-à-dire, reprenons le schéma. Un bloc est composé, comme on l'a vu, du nom du bloc précédent, de toutes les transactions et d'un nonce. Pour trouver le nom de ce bloc, on va faire passer tout ce texte dans la fonction de hachage et on va rajouter des règles de difficulté, comme je veux que ça commence par 4 zéros. Et là, la seule valeur que les mineurs ont le droit de modifier, c'est le nonce. Vu qu'on ne peut pas deviner un texte depuis un hash, les mineurs vont tester dans le nonce plein de chaînes de caractères aléatoires jusqu'à tomber sur un hash qui commence par 4 zéros. Et le premier mineur qui trouve gagne. Maintenant que le bloc a un nom, il est rajouté à la blockchain. Et le mineur est rémunéré en Bitcoin. Le nombre de zéros nécessaires augmente au fur et à mesure du temps pour accroître la difficulté et suivre l'évolution technologique qui permet d'augmenter la vitesse de calcul. En moyenne, les mineurs trouvent un nom de bloc toutes les 10 minutes. Attends. T'es en train de me dire que des millions de personnes s'arrachent des cartes graphiques au point de déclencher une pénurie mondiale dans le but de calculer que du texte en partie aléatoire passé dans une fonction mathématique dont tout le monde s'en fout commence par quelques zéros? Ouais. Non mais pourquoi? Pour rien. C'est des milliards de calculs à la seconde qui ne servent à rien. Si le Bitcoin était un pays, il serait dans le top 30 de la consommation électrique mondiale. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On appelle ça le proof of work, la preuve de travail. On nous parle d'écologie tous les jours? Ça nous pose pas un petit problème d'éthique? Certaines crypto-monnaies ont mis en place un nouveau système qui s'appelle le proof of stake. Le but est de faire forger le bloc par les personnes qui croient le plus en la monnaie, ceux qui ont des coins, des pièces, depuis plus de 30 jours. On dit alors que les pièces sont stackées. La personne est choisie aléatoirement. Donc plus tu as de pièces stackées, plus tu as de chances de remporter la mise. Ouais, enfin, donc plus t'es riche, plus tu seras riche, quoi. C'est un peu ça, ouais. Bon, il y a aussi le Proof of Stake by Velocity. C'est un principe un peu similaire. C'est les utilisateurs qui utilisent le plus la monnaie, c'est-à-dire qui font le plus de transactions, qui peuvent être choisies aléatoirement pour remporter la mise. Bref, on sent qu'on tâtonne un peu, mais c'est normal. Les crypto-monnaies, c'est un concept qui est encore très jeune. Sinon, là, tu esquives la question. La décentralisation, c'est révolutionnaire ou pas? Ben, techniquement, non. Calculer des hashes à la volée, on fait ça depuis des années, et la décentralisation aussi. Ça s'appelle le peer-to-peer. L'idée est que chaque nœud du réseau soit indépendant et échange avec tous les autres nœuds pour synchroniser les blocs et les transactions. Chaque nœud est à la fois client et serveur. Un nœud est donc un mineur ou une poule de minage. Une poule de minage, c'est un collectif de mineurs qui minent ensemble afin d'avoir plus de puissance de calcul et donc d'avoir plus de chances de remporter le gain. Chaque nœud a donc la connaissance de toute la blockchain et dès qu'un mineur a trouvé un nom de bloc valide, on ne peut plus rajouter de transactions dans ce bloc-ci et on ajoute ce bloc à la blockchain. Alors, le mineur prévient tous les autres, tout le monde se synchronise et chacun prend connaissance de ce nouveau bloc. Et hop, on recommence. On cherche le nom du prochain bloc. Voilà, c'est ça la blockchain décentralisée. Les prémices du peer-to-peer datent de 1999 avec Napster.
C'est une technique très vieille de téléchargement et de partage de fichiers. Ah oui, Emule, Casa, la belle époque. Quand on téléchargeait les films, ça partait toujours en sucette. Oui, si tu le dis. Le peer-to-peer est encore extrêmement utilisé, même sans t'en rendre compte. Souvent, quand tu télécharges un jeu, par exemple, pour éviter au studio de maintenir un serveur qui se prendrait des millions de connexions simultanées, ben, ils comptent sur leurs utilisateurs pour se passer le jeu entre eux, en utilisant du peer-to-peer, codé dans le launcher. D'ailleurs, Satoshi Nakamoto a nommé le Bitcoin « a peer-to-peer electronic cash system ». Ok, mais c'est quand même super cool d'avoir branché ça ensemble. C'est quand même une mi-révolution. Oui, tout à fait. C'est pas tant une révolution technique parce que c'est un mélange de plusieurs technologies qu'on sait faire, mais avoir eu l'idée, avoir implémenté la première crypto-monnaie et créé cette philosophie, c'est un sacré coup de génie. Bon alors, j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts ou pas? J'ai pas de boule de cristal, mais je te conseille de bien te renseigner avant d'en acheter. Renseigne-toi même sur la finance, en règle générale. Ça vaut vraiment le coup. Je te conseille pour ça la chaîne d'Eureka, qui est simplement excellente. C'est de la pépite, de la connaissance en barre. Il t'apprendra plein de choses sur la finance et la monnaie. J'ai un peu regardé ce qu'ils font, les gilous de Eureka. Ils nous ont vachement copiés quand même, hein. Non, pour le coup, c'est nous qui ne sommes pas révolutionnaires. On n'est peut-être pas une révolution, mais on est un sacré chambardement. Hein.